Bienvenue sur FR Delinay. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici, tout commence, spoilé, il y a quelques minutes. Le passé de Tessier révélé sur TF1. Tessier, l'héritier légitime d'Auguste Armand. Après 2 mois passés dans un hôpital psychiatrique à Nîmes, Louis vient de signer son grand retour à l'Institut de Calvière. Le fils de Claire s'est lancé dans une alliance inattendue avec Tessier. Ce dernier entend en profiter pour s'adjuger la direction de l'école gastronomique. Mais il n'y a pas que de la perfidie et du machiavélisme dans ses objectifs. Il y a aussi sa relation à Auguste Armand et sa conception non négociable de la haute gastronomie. A expliqué Benjamin Baroche-Tessier à tout en assurant que son personnage s'estimait être le seul héritier légitime de l'œuvre d'Auguste Armand. À la question de savoir pourquoi Tessier avait besoin de lui pour s'emparer du pouvoir, Benjamin Baroche a évoqué un raccourci non négligeable. Tous les deux sont dans un rapport donnant-donnant, un échange de mauvais procédés. Tessier est un joueur d'échecs et lui est une pièce importante sur son échiquier, c'est la diagonale de Manu. Fermez les guillemets. A précisé le comédien, il y a des choses formidables qui se profilent, notamment au niveau de la sensibilité et du passé de Tessier, a-t-il souligné. L'alliance de Tessier et Louis va servir de fil rouge à Ici tout commence dans les jours à venir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Merci.